Acclamation, 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 acclamation à Jésus-Christ. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Quelqu'un lise pour nous Jacques chapitre 1 verset 12. Let someone read for our James chapter 1 from verse 12. Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Anglais. Amen. James chapter 1, reading from verse 12 to verse 17. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when, by his own evil desires, he is dragged away and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier des choses très, très sensibles. We are studying very sensitive things. Et il faut payer le prix pour que ça ne reste pas dans la tête. You must pay the price so that it does not remain only in your head. C'est un enseignement très pratique. It's a very practical teaching. Qui ne peut porter de fruits que si l'on le met en pratique. Which can bear fruit only if someone practices them. Nous devons fuir les passions. We must flee the passion, the evil desires. On peut encore ajouter de la jeunesse. We can add of youth. Quand tu étudies bien l'apôtre Paul, when you study well Apostle Paul, il ne s'agit pas nécessairement des objets et des systèmes. It is not necessarily about things and systems. Il s'agit des actes immoraux. It's about immoral actions qui possèdent les cœurs, which possess the hearts. qui possède les pensées. Which possess the thoughts. L'apôtre Pierre a rendu ça très direct. Lis 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Made it very direct. Read 1 Pierre 2 verset 11. 1 Peter 2 verse 11. 1 Pierre chapitre 2 le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. 1 Peter chapter 2, reading verse 11. Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in this world, to abstain from sinful desires, which war against your spirit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Étrangers et voyageurs sur la terre. Foreigners and travelers on earth. Il faut fuir les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme de l'homme. The sinful desires of your flesh which are on war against your soul. Les convoitises charnelles. The sinful desires. Livre. Hand you over. Dans l'âme de chacun. Are in the soul of each one. Une vraie guerre. Having a very well battle. La guerre contre ton âme. The war against your soul. Ton âme où réside la faculté de l'intelligence. Your soul where you have a faculty of intelligence. Là où réside la volonté de l'homme. Where the will of man dwells. Le siège de ses émotions. Is the siege of his emotions. Les convoitises bombardent chacune de ces choses. The evil desires bombard each of those things. Pour te désarmer. To disarm you. Ils font la guerre à l'âme. They are having war against your soul. Ils font la guerre à ton homme intérieur. They are having war against your inner being. Tes désirs sont menacés. On veut les orienter vers les choses du monde. Your desires are threatened. They want to lead them toward things of the world. La convoitise, c'est quoi? What is envy? C'est un mauvais désir. It's a bad desire. C'est le désir des choses interdites. It's the desire for forbidden things. Le désir n'est pas un péché. To desire is not a sin. Désirer boire de l'eau, manger la nourriture, c'est pas un péché. Water or food is not sin. Quand tu désires une chose interdite, when you desire a forbidden thing, on appelle ça la convoitise. It's called envy. La convoitise. Envy. Donc tu peux combattre, fight against, et remporter la victoire. It and win. Il suffit de te rappeler. De te souvenir. You just need to recall yourself. Que ça c'est interdit. That this is forbidden. Tout mon être veut ça. All my being wants it. Mais c'est interdit. But it's forbidden. Donc, je ne veux pas me livrer à ça. I don't want to hand myself over to it. Toute ma pensée. All my thoughts. Désir. Desire. Mais je ne veux pas. But I don't want. Parce que c'est interdit. Because it's forbidden. Il était bien heureux. He said, happy. Celui qui supporte patiemment la tentation. The one who goes through patiently temptation. Il supporte patiemment la tentation. He perseveres and stand patiently against temptation. Parce qu'après cette rude épreuve, because after this very hard trial, s'il ne tombe pas, if he does not fall down, le Seigneur lui réserve une couronne de vie. Has booked a crown of life for him. Le Seigneur lui réserve une couronne de vie. The Lord has planned a crown of life for him. Le Seigneur lui réserve une couronne de vie. The Lord has planned a crown of life for him. N'écoute pas les moqueurs. Do not listen to louters, to mockers. Sorry. N'écoute pas les gens qui vont te dire, toi tu es légaliste. Toi, tu es sous la loi. Do not listen to people who will tell you you are legalist, you are under the law. si nous avons lu, si nous lisons la même Bible, if we read the same Bible, nous savons qu'il est écrit. We know that it's written. Bienheureux, happy, celui qui supporte patiemment la tentation. Who stand patiently against temptation. Si c'est la même Bible que nous lisons, if it's the same Bible we are reading, avant que quelqu'un ne se moque de toi, before someone laughs at you, que toi tu es sous la loi parce que tu fuis la fornication, that you are under the law because you are fleeing away of fornication, il faut que tu le rappelles, you must recall him, que dans la même Bible, that in the same Bible, le Seigneur dit, the Lord says, bienheureux, happy, very happy, celui qui supporte patiemment la tentation. Against temptation. Car après avoir été éprouvé, for after having gone all those trials, il recevra la couronne de vie que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. Of life that the Lord has kept for His children. Lis l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, verset 11. Read Apostle Peter, 1 Peter 2, verse 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Je vous exhorte, I encourage you, comme étrangers, as foreigners. Reprends. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Reprends. Read again. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Amen. Proclame, dis je proclame. Proclaim it, say I proclaim. Je suis un étranger, un voyageur sur la terre. That I'm a foreigner and a traveler on earth. Un autre dira je suis en pèlerinage. Someone will say, another one will say I'm on a pilgrimage. Je n'ai pas besoin des points de fixation sur cette terre. I don't need to focus myself on things on this earth. Rien ne peut me planter dans cette terre. Nothing can stick me on this earth. Je suis un voyageur. I am a traveler. Je suis un passager. I am a passenger. Lis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Continue. À vous abstenir des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles. Of carnal, sinful desire of the flesh. Jeune homme, young man, abstiens-toi des convoitises charnelles. Que personne ne te trompe. Sinful desire of your flesh. Qu'un enseignant d'école ou un professeur, un ami, un camarade, being un cours, a teacher, que personne ne te trompe. A friend or a mate, let no one deceive you. Si tu sais même lire, alors pour toi c'est grave. Que personne, même à distance, qui ne te tente pas. If you are able to read, then let no one, even being far from you, tempt you. Continue. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il faut t'abstenir. You must stretch yourself. Des convoitises charnelles. From sinful desire of your flesh. Combattre ton âme. Which are fighting against your soul. Vous imaginez une guerre dans l'intérieur de toi-même. In your inner being. Il y a des péchés qui habitent loin de toi. There are sins which are far from you. Mais les convoitises, but the desires, habitent ton cœur. Are in your heart. Dedans. They are inside. C'est pour cette raison qu'elles sont dangereuses. This is why they are dangerous. C'est pour cette raison qu'elles enflamment facilement les passions. This is why they inflame easily. Il y a le feu en toi. There is fire in you. Il y a le feu en toi. There is fire in you. Et il y a un jeune homme a prié, oh Seigneur, que je me sépare de passion et de Satan. Il a compris. Yesterday, a young man prayed, oh God, let me separate myself from the passions and from Satan. Le diable he has understood. Est derrière. The devil is behind. Lis pour nous Read for us. Ephésiens chapitre 2. Ephesians chapter 2. À partir du verset 1. From verse 1 going. Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses. Écoutez ça très bien. Listen this carefully. Et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ephesians chapter 2, reading from verse 1. Non, continue, c'est moi qui dois t'aider d'arrêter. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, lis en anglais maintenant. Read it in English now. Ephesians chapter 2, reading from verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the rulers of the kingdoms of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Alléluia. Amen. Nous allons relire pour ressortir la notion de trinité satanique, pour expliquer le complot entre le diable, la chair et le monde. We'll read it again. Reprends. To underline the Trinity. Nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Dans le monde, in the world, il n'y avait pas de vie. There was no life. Nous étions des morts, des cadavres. We were all dead, bodies and corpses. Pour ceux qui sont des évangélistes, for those who are evangelists, certains évangélistes ne connaissent pas la doctrine de Christ. Some evangelists don't know the doctrine of Christ. Si on ne prêche pas, if we don't preach, tout le monde va à l'enfer. Everybody will go to hell. Parce qu'ils sont déjà dans la, c'est déjà leur partage, il n'y a rien. Because it's already the share, there is nothing else. Le pécheur n'est pas quelqu'un qui est à un carrefour, il doit choisir. The sinner is not someone who is at a crossroad and he has to choose. Un candidat propre pour le lac de feu. Il n'y a pas d'espoir. Is already a candidate who is ready for fire. There is no choice. L'évangile te permet seulement d'arracher des âmes. Tu mets la main dans le feu, tu arraches une âme, tu mets en Jésus. The gospel only allows you to snatch out the people from the fire. It means that you lay your hand in the fire, you snatch people and you give them to Jesus. Nous les avons arrachés du feu. The saved people, we have snatched them out of fire. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, tout le monde, so everybody, est un cadavre, is a dead body, mort par le péché, died because of a sin. Dites amen. Say amen. Maintenant, now, le Seigneur te révèle comment le diable s'organise. The Lord is revealing to you what the devil organized himself. Continue. Go on. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Il y a ce qu'on appelle le train de ce monde, dont vous soulignez le monde. That is what is called the ways of this world. So underline the world. Le train de ce monde. The way of this life, this world. Vous soulignez le monde. You underline the world. Continue. Go on. Selon le prince de la puissance de l'air. Vous soulignez le prince de la puissance de l'air. You underline the prince of the power of air. Vous soulignez prince de la puissance de l'air. Underline prince of the power of air. Continue. Go on. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Entre parenthèses, tu ouvres une parenthèse, tu mets de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tu mets, c'est-à-dire Satan. The spirit which is right now at work in the son of rebellion, you make into parentheses Satan. Continue. Go on. Nous tous aussi. Nous tous aussi. We too. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et comment? We were among them. And how? Et nous vivions autrefois. Nous vivions autrefois. We were living in the past. Selon les convoitises de notre chair. Selon les convoitises de notre chair. Tu soulignes notre chair, la chair. The evil desires of our flesh. C'est ça que le frère appelle la trinité satanique. This is what Brother Jacques calls the satanic trinity. La vraie trinité divine, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. The true divine trinity is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit révèle dans ce passage que la trinité satanique, c'est le monde. The Holy Spirit is revealing to us in this diable, the satanic trinity is the world, the devil, and the flesh. C'est ces trois-là. It is these three qui maintiennent, qui combattent pour que l'homme meure dans le péché. Which maintain that people die in sin. L'homme est tombé dans le péché. Man has fallen in sin. Dieu l'a jugé. God has judged him. Et Dieu l'a soumis à la vanité pendant les jours sur la terre. And God has handed over to vanity during his days on earth. Et la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a lui-même souverainement soumis l'homme à la vanité. And the word of God says that it's God himself who has sovereignly submitted man to the vanity of earth. C'est-à-dire que tu vas poursuivre le bonheur, tu n'en auras pas, tu n'en trouveras pas. It means that you will pursue happiness and you will never reach it. La Bible dit même que Dieu a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. The Bible says that God has permitted people to seek him by wandering. C'est-à-dire Dieu ne permet même plus qu'on le trouve n'importe comment. It means that God is not even permitting people to find him easily. Le train du monde. The way of the world. Le prince de la puissance de l'air. The prince of the power of air. Et la volonté de notre chair. And the will of our flesh. Travailler. We're working pour que nous soyons soumis au péché pour toujours. So that we may be submitted to sin forever. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis ce qui s'est passé, lis la suite. Read what happened, read what follows. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Continue. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu qui est bon, God who is good, Dieu qui pardonne, God who forgives, a fait quelque chose. Has done something. Qu'est-ce qu'il a fait? What has he done? À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a aimés. He has loved us. Il nous aime. He loves us. Dieu, God, dans son amour, in his love, a fait quelque chose. Has done something. Pour que nous aujourd'hui, so that we today, nous puissions être ici à Atikwa. We may be here in Atikwa, chantant des louanges. Singing some praise. Les autres sont dans d'autres villes, dans d'autres nations. Some are in other towns and nations. Intercédant. Interceding. Posant la justice au monde. Imposing, giving the justice to men. Mais Dieu continue. But God, Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. We were dead because of our sins. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Acclamation à Jésus-Christ. He has given us life back with Christ. Dis, je suis vivant en Christ. Say, I am living in Christ. J'étais mort par mes offenses. I was dead because of my Maintenant, sins. Je suis vivant par Christ. Now I am alive. J'étais mort par mes offenses. Christ. I was dead because of my sins. Le train du monde. By following the ways of the world. Le diable. By following the devil. En suivant ma chair. By following the flesh. J'étais mort. I was dead. Mais je vis. But now I live. Maintenant. Now, par Jésus-Christ de Nazareth. Through Jesus of Nazareth. Acclamons ensemble. Let us clap together. Continue. Il nous a ressuscités ensemble. Acclamation. Clap. Il nous a ressuscités. He has raised us from death. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai dit, hein, vous ne, mets les mains dans tes oreilles, dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Put your hands in your ears and say, God, open my ears. Si tu entends ce qu'on est en train de dire maintenant, ton âme sera remplie d'allégresse. We are saying now, your soul will be full of happiness, joy. Que le diable ne te trompe pas. Let not the devil deceive you. Même si tu as mal au ventre. Even if you have a stomach ache. Dis-lui que Satan, tu me distrais. Toi, tu me montres le ventre alors qu'on me parlait des choses d'en haut. Tell him, Satan, you are distracted me. You are showing me à nouveau. My stomach why I'm being taught things for heaven. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. He has raised us from death together. C'est-à-dire que quand Christ sortait de la tombe, when Christ was getting out of the tomb, tu étais en lui. You were in him. Tu étais en lui. You were in him. Oui, vas-y. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Vous savez, où est Adonis? Where is Adonis? Viens me rendre le témoignage que tu rendais ce matin. Come and give us the testimony you were giving us in. Parce que les gens comprennent bien quand tu dis que les sorciers ont fait comme ça, les sorciers là, ils croient. So people understand well when you say that the witch have done so and that. Écoutez. Listen. Dis rapidement. Je veux cette partie-là où une petite fille était dans l'arbre. Gloire à Dieu. Part where a small girl was in the tree. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Il s'agit de notre sœur Dagri Edith qui avait rendu son témoignage hier. It's about our sister Dagri Edith who gave her testimony yesterday. Disant que le Seigneur l'avait délivrée de la prostitution. Saying that the Lord delivered her from prostitution. Et le Seigneur avait permis que toute sa famille se donne à Christ. And the Lord allowed that all her family give their life to Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Cette sœur, that sister, a vécu des moments très difficiles étant enfant. Went through hardships in her childhood. Rejetée par tout le monde. Rejected by everybody. Et elle a décidé pour pouvoir se prendre en charge. And she decided to take care of herself. D'aller dans le monde. And go into the world. Donc elle a rencontré un groupe de filles. And she met a group of ladies. Qui l'ont conduit à la consommation de la drogue. Who led her to consume drug. Ensuite la prostitution. And to prostitution. C'était très difficile. It was very hard. Elle a connu une personne qui était dans une dénomination. She also knew a man who was in a denomination. Qui l'avait conduit à donner sa vie à Jésus. And who led her to give her life to Jesus. Donc elle partait à l'église. So she used to go to church. Mais elle n'arrêtait pas la consommation de la drogue. But she did not stop the consumption of drug. Ni la prostitution. No prostitution. Et par la grâce de Dieu, and by God's grace, elle vivait en concubinage avec un jeune. She was living in a concubinage with a young man. Et ce jeune And that young man, sa mère a donné sa vie à Jésus à la CMCI. The mouth of that young man gave her life to Jesus in CMFI. Donc au travers de sa mère, so through her mother, elle a pu entendre l'évangile. She heard the gospel. Elle vivait à Kringjabo. She was living in Kringjabo. Donc les dirigeants de Kringjabo sont rentrés en contact avec elle. So the leaders of Kringjabo got in touch with her. Et son concubin. And her concubine. Alléluia. Praise the Lord. Mais avant ça, elle avait crié à Dieu. But before that, she cried out to the Lord. Elle avait dit au Seigneur. She told the Lord. Que on m'a dit que tu existes. That I was told that. They have been taught that you exist. Je suis fatigué. I am weary. Si tu m'accordes la délivrance. If you grant me deliverance. Si tu permets que je puisse arrêter la consommation de la drogue et de l'alcool. If you allow me to stop the consumption of drug and alcohol. Et la prostitution. And prostitution. Je vais me donner entièrement à toi. I will give myself entirely to you. Alléluia. Praise the Lord. Et lorsque les frères lui ont prêché l'évangile. When the brethren preached the gospel to her, elle a donné sa vie à Jésus. She gave her life to Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Et elle a prêché l'évangile à son concubin. She also preached the gospel to her concubine. Lui aussi qui a donné sa vie à Jésus. He too gave his life to Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Et après le ministère de la repentance, after the ministry of repentance, le baptême, baptism, le brisement de liens, breaking of evil ties, notre sœur a été totalement délivrée. Our sister was totally delivered. Son concubin aussi a été délivré. And the concubine too. Et elle est rentrée dans le programme de renversement des principautés de 2022. So she got into the program of the overthrow of principalities in 2022. Au cours de cette croisade, during that crusade, elle a eu un songe un jour. She had a dream one day. Dans le songe, elle se retrouvait à l'intérieur. En tout cas, elle a retrouvé une petite fille à l'intérieur d'un arbre. And in that dream, she found a little girl inside a tree. Mais avant d'expliquer cette partie-là, elle me disait que. Before explaining that part, she told me that. Avant sa naissance. Before her birth. Sa mère lui a expliqué qu'elle avait fait un songe. Her mother told her that she had a dream. Dans lequel elle était allée au champ. In which she went to the farm. Avec ses trois enfants. With her three children. Et lorsqu'elle a fini le soir. And when she finished in the afternoon. Et qu'elle devait rentrer. And that she was to come back home. Elle a appelé les enfants. She called the children. Et ses trois enfants sont venus. And her three children came. Et elle a entendu à l'intérieur d'un arbre une petite fille. And she heard inside a tree a young lady, a young girl. Qui disait que moi je veux venir aussi, je veux partir avec toi. Who said that I also would like to come because I want to go with you. Et quand elle a vérifié, tous ses enfants étaient là, donc elle ne comprenait pas cette quatrième voix qu'elle entendait. But when she checked her three children were around, but that fourth child who was speaking, she did not know what it was about. Et c'est comme ça que la fille est sortie de l'arbre et est rentrée dans le ventre de la dame et elle s'est réveillée. This is how that girl crying from the tree entered the womb of the woman and she got up. Et c'est quelque temps après que sa maman l'a conçue. And she was conceived by her mother. Donc au cours de cet renversement des principautés, during this overthrow of principalities, elle fait un songe où elle se retrouve dans ce village. She had a dream. She found herself in that village. Et elle voit l'arbre en question qui a adoré. And she saw that tree which is worshipped. Et elle a reçu dans son esprit qu'elle devait commander que l'arbre s'ouvre. And she received in her mind that she should command the tree to be open. Et c'est ce qu'elle a fait. And she did it. Donc elle a vu une petite fille à l'intérieur de l'arbre. So she saw a young girl inside the tree. Avec la bouche cousue. With her mouth sewn. Et elle a commandé à la petite fille de sortir de l'arbre. She commanded that young girl to come out of the tree. Et la petite fille est sortie de l'arbre. She came out of the tree. Mais derrière la petite fille, il y avait un géant qui était là. But behind that young girl, there was a giant. Et le géant a voulu les attraper. And the giant wanted to catch them. Et automatiquement, elle a vu un gorille qui est descendu à l'endroit où ils étaient. And on the spot, she saw a gorilla that came in the place where they were. Et le gorille les a pris. And the gorilla took them. Pour les enlever. Pour les emmener ailleurs. And take them elsewhere. Et il les a déposés. And let them there. Et il est parti. And he went. Et c'est comme ça qu'elle a commandé encore. She also commanded again. Que la bouche de cette fille. That the mouth of that girl. S'ouvre. get opened. Et elle expliquait qu'elle-même, elle ne pouvait rien dire. She could say nothing. Elle sentait que sa bouche était fermée. She felt that her mouth was closed. Tu pouvais lui faire quelque chose. You could do something to her. Elle n'arrivait pas à se plaindre. She could not complain. Et automatiquement, la bouche de cette petite s'est ouverte. And on the spot, the mouth of that young girl got opened. Et elle sentait qu'elle devait commander que le masque était sur le visage de cette petite fille tombe. And she also felt in her that she should command the mask that was on that, the face of that young girl to fall. Et c'est comme ça que le masque effectivement est tombé. And this is how the mask fell. Et elle a découvert que c'était elle-même qui était là. And she later on discovered that it is she herself who was there. Et cette petite fille est rentrée en elle. And that young girl got into her. Donc, étant sur le lit, elle a tressailli et puis elle s'est réveillée. And being on the bed, she jumped and she got up. Et son mari lui a dit, le songe n'est pas encore fini. And her husband told her the dream is not over. Et elle s'est recouchée. She slept again. Elle se retrouvait, elle a encore continué un songe. And she had another dream. Où elle s'est retrouvée quelque part. She found herself somewhere. Et elle disait auparavant que sa grand-mère voulait qu'elle prenne sa place. And she said that in the past, her grandmother wanted her to take her place. Et lorsqu'elle était avec cette grand-mère qu'elle prononçait Jésus-Christ, la grand-mère se plaignait. And when she was living with that grandmother and she called the name of Jesus, the grandmother complained. Donc dans ce songe, elle s'est retrouvée dans un endroit où il y avait un trône. And in that dream, she found herself in a place where there was a throne. Et sous ce trône, il y avait un canari. And on that throne, there was a clay pot. Dans lequel il y avait les cheveux, and in that clay pot, there were hairs and her underpants that she lost. Et la voix lui disait de récupérer ce canari. And the voice told her to take back that clay pot. Lorsqu'elle a essayé de récupérer, when she tried to take it back, elle a été envahie par plusieurs personnes. She was invaded by many people. Ils se disaient, si elle récupère, ils sont foutus. Comment ils allaient faire? And these people said that if she takes this, they were down. It was finished for them. So how are they going to do? Et automatiquement, elle a vu le même gorille qui l'avait secouru auparavant. And on the spot, she saw the same gorilla that saved her in the first dream. Qui est encore venu l'enlever. Who came again to take her from there? Elle avait le canari en main en passant. And she had the clay pot in her hands. Et elle a senti lorsqu'il le gorille l'a déposé. When the gorilla led her down, elle a senti qu'elle devait casser le canari. And she felt that she was to break that clay pot. Et c'est ce qu'elle a fait. And she did it. Donc tout le contenu. So all the content du canari. Of the clay pot. Il y avait ses dessous, ses cheveux. Her underpants and her hair were in it. Elle a pu les récupérer dans son habit. She could take them. Et elle s'est réveillée. And she got up. Depuis ce jour, from that day on, la vie de notre sœur a complètement changé. The life of our sister completely changed. Elle a été totalement délivrée. She was totally delivered. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Vous voyez? You see? L'arbre est fendu. Is open. Il y a un enfant dedans. There is a child inside que le diable a mis en prison. That the devil has put in prison. Quelqu'un peut dire vraiment Satan aussi. Hey. Someone can say, oh Satan. Je voudrais vous dire que ce que tu as entendu là, c'est petit. I would like to tell you that what you have listened par rapport not... à ce que nous venons d'entendre. Par rapport à ce que nous venons d'entendre, according to what we have just heard, que Jésus nous a pris, that Jesus has taken us, il l'a mis en lui, he has put us in him, et puis il a laissé qu'on le tue, and he has allowed people to kill him. Et tu étais à la croix, and you were on the cross. Et on t'a crucifié avec Jésus. You have been crucified with Jesus. Maintenant, tu vis la vie de Jésus ressuscité. The life of resurrected Jesus. Maintenant, entre le diable et Jésus qui est puissant. Now, between the devil and acclamation à Jésus. Who is powerful. Clap for Jesus. Frères, brothers, c'est vrai. It's true. Tu étais avec Christ à la croix. With Christ on the cross. Ça dépasse la sorcellerie, ça dépasse la magie. Witchcraft and magic. C'est puissant. It's powerful. Et là où tu es assis. And where you are sitting. Si tu vois ta chaise, même certains sont assis sur des chaises cassées. Some are even sitting on broken chairs. Mais la parole déclare. But the word declares. Que Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. That Jesus has made us sit in the heavenly places. Là où tu es assis là. Where you are sitting, tu n'es pas petit. You are not a small man. Tu es grand. You are great. Aimé de Dieu. Loved by God. Bien-aimé de Dieu. Beloved of God. L'œuvre de son amour pour nous. The work of his love for us. Quand il est sorti, on ouvrait la porte qui était fermée. Les gens disent vraiment les choses. Jésus te prend, tu es là, tu assistes sur son trône. When we said that the door was closed and the witches opened it, we say, oh, this witch. But Jesus takes you here. Et you are here, but you are sitting in the heavenly places. Un enfant envoûté dans l'arbre. He comes and a bewitched child in the tree. Lui-même ne travaille pas, il vient te prendre toi-même. He does not work himself. He comes and takes you. Il te dit, casse la porte là. He said, break this door. Tu casses. You break it. Tu trouves ta valise qui était perdue dedans. Il te prend. You find your lost case which was inside. He said, take it and go. Where is the greatest? Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dis, je déclare. Say, I declare. Que j'étais mort avec Jésus à la croix. That I was dead with Jesus on the cross. Que c'est vrai. And it's true. On m'a enseveli avec Jésus. I've been buried with Jesus. Et je suis ressuscité avec Jésus. And I am resurrected with Jesus. Lis à nouveau. Read again. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien en anglais. Read in English. Ephesians chapter 2, reading from verse 5 to verse 6. Frère, au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Brother, in the name of Jesus Christ, be delivered. Avant la lecture, pose les mains sur ta tête. Before the reading, lay your hand on your head. Oh, Père. Say, oh, Father. Fais-moi comprendre l'évangile. Make me understand the gospel. Frère, si tu ne comprends pas l'évangile, brother, if you don't understand the gospel, tu ne seras pas délivré. You will be delivered. Parce que la Bible dit. Because the Bible. L'évangile est la puissance et une puissance de Dieu. The gospel is the power of God. Pour le salut de quiconque croit. For the salvation for everyone who believes. Si tu crois que tu es une personne normale. If you believe you are a normal person. Tu vas perdre beaucoup de temps dans les combats. You will lose many time. Si tu crois que tu es spirituel, if you believe that you are spiritual, que les choses qui t'arrivent ne peuvent jamais arriver à un monde. Can never happen to a worldish person. C'est le plan de Dieu. That is the plan of God. Un plan de son amour. A plan of his love. Dis-lui, je veux comprendre l'évangile. Tell him, I want to understand the gospel. Continue à prier, dis quand les écailles tombent de mes yeux. Keep praying, let the scales fall down. Oh Père, oh Père, oh Père. Orika baka, que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Remove scales. Que les écailles tombent. Remove scales. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Remove scales. Remove scales. Que je comprenne, Seigneur, je te supplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Lis en anglais. Read in English. Ephesians chapter 2. I will read from verse 4 to verse 6. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés. Beloved brothers. Le Seigneur nous exhorte seulement. Il nous exhorte. The Lord is just encouraging us. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. We don't save ourselves. Il nous a aimés, il nous a sauvés. He has loved us and he has saved us. Et comme il a dit aux enfants d'Israël, vous allez marcher, you will walk, et vous allez me servir à Canaan. And you will go and serve me in Canaan. Nous sommes délivrés. We are delivered. Sauvés. Saved. Établis. Settled. Et Dieu te dit, and God tells fuis you, les passions. Flee the passions. Ça te freine la marche. They are breaking your way. Ça te fait regarder en arrière comme la femme de Lot. It makes you look behind like the wife of Lot. Ça te fait perdre la puissance. It makes you waste power. Ça te distrait. It distracts you. C'est un piège. It's a trick. Le diable est tapis derrière. The devil is hidden behind it. Caché. Hidden. Il sait qu'il a déjà perdu. Il ne peut qu'utiliser la ruse, la tromperie. He knows that he has already lost. He can only use cunning and deceptions. Il ne peut pas t'affronter. He cannot face you. Il va toujours se cacher. He will always hide himself. Parce qu'il sait que Jésus nous a donné le pouvoir. Because he knows that Jesus has given us the power. Si tu sais, if you know, que voici Satan qui est devant moi, that this is Satan before me, il ne peut pas remporter la victoire. He cannot win it. Donc il se cache. So he hides himself. Il se cache. He hides himself. Là où tu peux passer une nuit avant de commencer la marche. Where you can spend avant de continuer la marche, when you can spend one night before continuing the walk, il peut te proposer de faire un mois. He can propose you to spend 1 month. S'il réussit à te faire perdre un mois, il est content. If you succeeded in losing 1 month, he is happy. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. The sinful desires of the flesh are on war against your soul. Ta volonté devient faible. Your will become weak. Ton intuition devient embrouillée. Your intuition is confused. Quand tu veux entendre la voix de Dieu, ça grisouille comme si un poste radio est mal stationné. When you want to hear the voice of God, there are noise like a bad radio set. Satan est vaincu. Satan is defeated. Je n'ai pas besoin de me débrouiller. Je dois fuir les passions de la jeunesse. Je suis assise dans le lieu céleste avec toi. Oh notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour cette vérité, pour cette vérité, pour cette vérité. Reçois l'honneur, notre Dieu. Reçois l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Il t'a envoyé afin que tu mets à la croix pour nous sauver. Et tu l'as fait. Tu es venu pour nous sauver. Tu étais en nous. Nous étions en toi. Seigneur, tu es l'unique dans ce monde qui sauve ce monde. Nous savons comment te dire merci. Nous savons comment te dire merci. Éternel, merci infiniment, infiniment pour tout tes bienfaits. Parce que tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous. Merci, merci, merci. Et que toute la gloire te revienne. Amen. Quel que soit le débris de Satan, Satan a tout perdu. Il a perdu éternellement. Oh, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, nous sommes déjà assis. Oh, nous sommes sauvés. Nous ne nous sommes pas sauvés nous-mêmes. Père, reçois toute la gloire parce que Satan a renversé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, merci beaucoup. Depuis que nous sommes nés, nous croyons en ce que Satan fait. Si on dit Satan fait ceci, nous sommes comme si nous sommes engagés, nous comprenons et nous continuons de souffrir. Mais aujourd'hui, tu dis que ce que Satan fait est petit, est insignifiant par rapport à ce que Jésus-Christ fait. Que mon esprit s'ouvre à saisir pour Jésus plus que pour Satan, notre Dieu. Que mon esprit croit qu'en réalité, je suis assis dans le ciel. Et je suis déjà dans le ciel. Je dois me comporter comme un homme du ciel, comme une femme du ciel, comme une fille du ciel, comme un enfant du ciel. Ayant la capacité de résister ou de fuir les passions. Toutes les passions, toutes les passions. Je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Je vis la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Rien ne peut me planter sur cette terre. Rien ne peut m'embrouiller pour ce que j'ai vu de Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu. Que ma foi soit d'abord en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes crucifiés avec Jésus-Christ. Nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes assis au ciel dans la gloire avec Jésus-Christ. Même quand ça dépasse l'entendement humain, c'est une vérité. Et je la proclame, je la confesse, je la déclare. Alléluia. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux. Seigneur, ouvre nos oreilles, notre esprit pour comprendre ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, c'est vrai. Cette parole est irréfutable. C'est pourquoi nous sommes malmenés par les passions de la jeunesse, Seigneur. Tu as fait ce jour à la croix. J'ai été crucifié avec toi et j'ai été ressuscité avec toi. C'est un privilège, Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde. C'est toi ce Seigneur, c'est toi ce que nous devons suivre. Nous croyons, Seigneur, que ce que le diable fait petit, au milieu de nous, c'est très, très, très petit. Ce que tu dis est vrai. Et nous l'acceptons. Nous marchons avec toi. Nous fuyons les passions de la jeunesse ce jour. Et nous proclamons que nous sommes avec toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, que ces paroles pénètrent les cœurs les plus endurcis. Et que ces paroles ouvrent nos yeux, nos cœurs, pour que ces paroles soient promulguées partout, au nord, au sud, à l'est, au centre, partout en Côte d'Ivoire, pour une jeunesse réveillée, révolutionnée. Oh Seigneur, engagé avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Rabé Victoire. Je professeur des disciples, le pasteur Koukoua Magloire, l'ancien de l'église de Douala. Il faut dire, lorsque le pasteur avait proclamé, compris que nous sommes assis au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait une douleur dans la poitrine ici depuis ce matin. Et j'ai commencé à proclamer aussi que Satan, moi je suis assise avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Donc la maladie n'a plus de pouvoir dans ma vie. C'est comme ça moi j'ai proclamé pendant que les autres priaient autrement. Et j'ai vu un homme, il était gros comme ça. Et il avait un gros sac à dos. Avec plusieurs médicaments, il ne pouvait même pas supporter le sac, il traînait le sac et il est sorti de mon corps. Et il traînait le sac, il est parti. Acclamation à Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire merci à Dieu qui m'a délivré de cet esprit. Amen. La puissance de Jésus. Oh Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. De comprendre que j'étais un fils et le diable est l'esclave. Un esclave, son travail, il est toujours à la patte. Et le fils, son rôle, c'est d'être au palais. Je suis un fils du roi. Je te dis merci de m'avoir révélé ce secret. Désormais, le diable connaît sa place. Moi aussi, j'ai ma place. Je suis maintenant un serviteur. Amène-moi, Seigneur Jésus-Christ, à la conquête, à dérouter le diable. Désormais, là où tu me vois, si je passe à gauche, toi, tu passes à droite. Merci, Seigneur. Offrons l'acclamation à Jésus-Christ. Je me demande s'il y a même les placaliers ici. Tous sont vaillants. I ask myself if there are weak men here. There are almighty. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Merci. Thank you. Hébreux 3, verset 13. Hebrews 3, verse 13. Hébreux chapitre 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Hebrews chapter 3, reading verse 13. Be encouraged one, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Amen. Devant nous, il y a des adversaires qu'il faut écraser. Before us, there are adversaries that we must crash down. Il y a ce que la Bible appelle la séduction du péché. There is what the Bible calls the seduction of sin. C'est-à-dire le charme du péché. It means the charms of sin. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. We know that the salary of sin is death. Mais quand le péché vient frapper à ta porte, but when sin comes and knocks at your door, ce n'est pas avec l'image de mort. It is not with the image of death. C'est avec ce que la parole de Dieu appelle la séduction du péché. It is with what the Bible calls the deception of sin. Je me souviens d'un jeune frère. I remember a young brother in Douala. Il est venu se repentir. He came and repent. Il dit pardonne-moi, vraiment j'ai bu une petite Guinness. Forgive me because I've drunk a small Guinness. Il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? I asked him what's happened. J'ai eu mal au ventre. He said I have a stomachache. Je suis entré dans un bar, j'ai acheté une petite Guinness, j'ai bu. I went in a pub and I bought a small Guinness and I drank. Mais si tu analyses sa tentation, but if you analyze his temptation, tu vas découvrir que dans son subconscient, il y avait un message que ton mal de ventre là, si tu bois la petite Guinness, ça va finir. Ton mal de ventre là, si tu bois la petite Guinness, ça va finir. Donc on appelle ça la séduction du péché. You will discover that in his subconscious there was a message which said, le péché est porteur de promesses. If you drink a small Guinness, your stomachache will finish. The sin is bearing a promise. Nous étions au collège pastoral. We were at the pastoral academy. Un frère dit, a brother said, qu'il avait pris de la drogue. That he drank drugs. Ça a tourné sa tête. It's confused his mind. Il était sur une moto. He was on a motorbike. Une voix lui dit descends. A voice told him, get down. Il a garé la moto, il est descendu. He packed the motorbike and got down. La voix commence à lui montrer qu'il est fort, qu'il dépasse tout le monde. And the voice started telling him that he is strong and he is beyond everybody. Il dit quand les gens qui passaient en moto, ils étaient petits, des petites motos. Lui, il est le seul géant. He said, sorry, you could see people on the motorbike as small people. He was the only one giant. Après, on lui dit, fais le pas. Allez, un, allez, marche. Allez, il commence. Lui, il attend une voix. Sorry. Later, I asked him, walk. And he started, and he heard a voice. Après, la voix lui dit, déshabille-toi. And later, the voice told him, uncover yourself. Il a enlevé une chemise. He removed a blouse. Après, il a enlevé le pantalon. And he removed the trousers and the pants. Il enlève l'autre pantalon. Il y avait deux pantalons, une culotte. There are two trousers and one. Il a croisé un ami. He met a friend. Il dit, mais c'est comment? Tu deviens fou. Il dit, c'est toi qui es fou. He asked him, what's happening to you? Are you mad? He said, you are the one who is mad. La séduction du péché. The seduction, the deception of sins. Un jeune homme qui se droguait dit, on leur disait que quand ils vont fumer là, ils seront les esprits supérieurs. A young man who used to take drugs said that they were said, if you smoke drug, you will become a superior mind, spirit. Donc quand ils prennent la drogue, ils regardent les gens, ils rient seulement. So when he takes the drug, he look at people and just laugh. Jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour, il se déshabille. Until he found himself one day, uncovering himself with his scarf. Upside down. Il faut apprendre. You must learn. À refuser la séduction du péché. How to refuse the seduction of sin. Les gens qui prenaient la bière. People who used to drink beer. Tu peux avoir une sensation de quelque chose dans la gorge et la voix te dit si tu bois la bière, ça va passer. You got people who were used to drink beer. If you can have a sensation, a feeling in your throat, and something can tell you if you drink a small beer, it will be over. Et ça va passer. It will be over. Une sœur avait connu beaucoup d'hommes. A sister had experienced lot of men. Et je l'avais conduite à la repentance. And I led her to repentance. Je l'avais conduite à la repentance. I led her to repentance. Je lui ai demandé, tu as fait tout ça pourquoi? I asked him, why have you done all that? Il dit que c'était la curiosité. She said it was only curiosity. Elle dit la vérité. She is telling the truth. Notre faisait des disciples. Our disciple maker was encouraging us, brother Jean de Dieu. Faites attention. He said, be careful. Tu peux convoiter même un bébé. You can even covet a baby. Tu vois, ça peut te choquer. It can shock you. Mais si tu fouilles, tu verras quelqu'un qui a été attiré par un bébé. But if you check, you will see someone who was attracted by a baby. He's not coveting young girls or ladies. There are babies. Si tu lui dis, écris sur une feuille la motivation de ton acte, toi-même tu vas crier. If you tell me write on a paper the motivation of this action, il y a toujours une promesse. There are always, un charme, une séduction. There is always a promise, a seduction, a charm. If you are mad, tu vas tomber. Si tu es fou, tu vas tomber. Si tu es fou, tu vas tomber. If you are mad, you will fall down. If you are crazy, you will fall down. Il y a ce qu'on appelle la séduction du péché. That is what is called seduction. Le péché n'est pas silencieux. Deception. Le péché parle. Sin is not silent. Le it péché speaks. A des yeux, il regarde. It has eyes, it watches. Et quand tu vas plus loin, tu découvres que c'est Satan lui-même. And when you go further, you discover that it's Satan himself. Dieu a dit à Caïn, Le péché est couché à ta porte. Sin is laid on your door. Il porte ses regards sur toi. And is watching you. Domine sur lui. Dominate on it. Ne sors pas dans le désordre, là tu dis tu vas vaincre le péché. Non, le péché est organisé. Do not be in disorder and say you will overcome sin. No, sin is organized. C'est l'œuvre d'une trinité. It's the work of a trinity. Le monde, the world, le diable, the devil, et ta chair, and your flesh. Ta chair, pas les démons, ta chair. Not the demons, your own flesh. Tes désirs, your desire, your own desires. Quand on dit fuis les passions, when we say flee the evil desires, il faut bien lire. Read it well. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? N'accepte pas. Do not accept que le charme du péché, that the charm of sin, te capture. Captured you. N'accepte pas. Do not accept. Quand tu es tenté, when you are tempted, et je suis un enfant de Dieu, say I am a child of God. Je ne pêche pas. I do not sin. Celui qui pratique le péché du diable. The one who practices sin is for the devil. La séduction du péché. The deception of sin. Quand les mauvais désirs habitent dans un homme, when the evil desires are in the man, cet homme est soumis à une violente tentation. This man is submitted to a violent temptation. Pour s'en sortir, to win this battle, il lui faut une vertu spéciale qu'on appelle la maîtrise de soi. He needs a special virtue which is called the self-mastering. La maîtrise de soi. The self-mastering. Tu restes calme. You remain calm. On ne résiste pas dans l'agitation. You don't resist in confusion. Dans l'agitation. In agitation. Si tu es agité, tu vas tomber dans le péché. If you are confused, you will fall into sin. Ne commence pas à poser les questions à tous les passants. Do not start asking questions to all the passing by. Je suis tenté, je fais comment? I'm tempted. What do I do? Je suis tenté, je fais comment? I'm tempted. What do I do? Tu vas trouver quelqu'un qui va te dire que ah, moi aussi je suis tenté aussi. You will find someone who will tell you I too am tempted. Je crois qu'il faut qu'on prie pour ça. I think we must pray for it. Que nous deux, la Bible dit que si deux s'accordent sur la terre. Together, as the Bible said that if two people agree. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose, le Seigneur dit qu'il va la leur donner. If two people on earth agree to ask one thing, the Lord promised to give it to them. Quand tu es tenté, when you are tempted, ouvre-toi à une autorité, vraie autorité spirituelle. Open yourself, go and meet a true spiritual authority. La pensée même que tu vas lui expliquer, le diable a déjà fui. Even before that you will explain things to him, the devil is already gone. That's mon expérience personnelle. This is my personal experience. Et j'ai dit, and I said, la transparence, transparency, chasse la folie. Cast out. Il est madness. Difficile. It's hard de trouver qu'un jeune transparent vit comme un animal. To find a young transparent living like an animal. Est-ce que nous sommes ensemble? How we together? Parce que nous demandons comment la transparence t'a introduit dans la vraie repentance. Give us your testimony on how transparency led you to true repentance. Gloire à Dieu. Je suis le frère Innocent Lombé. Je suis le disciple du pasteur Boniface Meunier. J'étais dans une dénomination vaincue par le péché. I was in a denomination overcome by sin. Et j'étais vraiment à la recherche de Dieu I was really seeking God. Et à la recherche de la délivrance du péché. And seeking deliverance from sin. Nous étions au campus. We were on the campus. Lorsque un jour, à une de nos réunions de prière des étudiants écuméniques, one day in one of our prayer meeting of the ecumenic students, un des nôtres a invité le pasteur Boniface Meunier à notre prière. One of us invited Pastor Boniface Meunier to that prayer. C'était en 1999. That was in 1999. Et pendant cette réunion, during that meeting, quand le pasteur est arrivé, when the pastor came, il a exhorté en quelques minutes. He preached for a few minutes. Et j'ai entendu une voix de façon claire. And I heard a clear voice qui me disait, voici l'homme qui peut t'aider. Who told me, here is the man who can help you. Et dans son exhortation, and in his preaching, l'une des dernières phrases que j'ai retenues, one of the last words that I kept in mind, il a dit, si tu veux être délivré du péché, he said, if you want to be delivered from sin, il te faudra confesser tes péchés à Dieu et à un homme. You will have to confess your sin to God and to a man. C'est cette phrase-là, confesser ton péché à Dieu et à un homme. It is that sentence, confessing your sins to God and to a man. Cette phrase était pour moi une révélation. That word, that sentence was a revelation for me. C'est comme ça que je me suis approché de lui et j'ai pris rendez-vous avec lui. That's how I drew near him and I had an appointment with him. Et ma repentance a suivi jusqu'à ce que je sois là où je suis. And after that I repented until I am where I am now. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Merci. La bataille est très rude et sérieuse. It's very hard and serious. Ne développez pas une vie de cache-cache. Do not develop a life of hide one another. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. La Bible dit confessez vos péchés à vos frères. The Bible says confess your sins to your brothers. Priez les uns pour les autres. Pray for one another. Si les restitutions transparentes finissent dans l'œuvre, if the transparent restitution ends in our work, le diable va s'installer. The devil will set up. Au petit déjeuner, il est là. At the breakfast, he is there. Il est là. At the lunch, he is there. Il est là. In the dinner, he is there. Si tu es tenté, if you are tempted, partage avec quelqu'un qui a l'autorité. Go and talk to someone who has authority. Sur ta vie, une autorité morale. Moral authority on your life. Tu dois même chercher quelqu'un. You must even seek someone à qui tu vas rendre compte, quelqu'un qui craint Dieu et qui peut t'aider. To whom you will give accountancy, someone who can listen to you and can help you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est un corps. It's a body. Et c'est Dieu qui lui avait parlé. And it was God who spoke to him. Au lycée, quand j'avais cru, when I believed, j'avais cru pendant les vacances. I believed during holidays. Dès que nous sommes revenus, as soon as we came back to school, j'ai demandé le baptême. I asked for my baptism. Et le jour de mon baptême, and the day of my baptism, un frère est venu. A brother came. J'étais heureux, j'avais pris la guitare, je frappais en désordre parce que je ne savais pas jouer. I was happy. I've taken my guitar and I was just beating it In every senses. Un jeune homme est venu. A young boy came. Il me dit, comment toi tu as fait? He said, how did you manage? Quand on revient des congés comme ça, on a commis des petits péchés comme la fornication, tout ça. When we come back from holidays like this, we had committed small sins like fornication. Moi, je sortais des eaux de baptême. Me, I was just getting out of the waters of baptism. Je ne savais même pas qu'on pêche encore. I did not know that they sin again. Je lui ai dit, je ne sais pas, moi je viens d'être baptisé. Et puis j'ai continué à taper la guitare. I told him, I don't know because I've just been baptized and I keep on beating my guitar. La vie commence donc maintenant. Start then. À l'assemblée. In the house church. Prions pour les rétrogrades. They say pray for the backsliders. On cite un certain frère. They quote some brothers. On cite son nom. His name is on the list. Prions. Let us pray. On prie. We pray. Les vendredis. The on Fridays. Prie. We pray. Un jour, one day, j'étais avec des frères. I was with brothers. On a rencontré une bande de garçons. We met a band of boys. Il y avait même des jeunes filles dedans. There was girls inside. On me présente, dit ça c'est le frère tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. I am introduced. This is a such brother, this one and this one. Après, j'ai dit ah, je connais celui-ci. And I later I said, I know this one. Voici le jeune homme. This is the young man. Il est venu me poser la question à la rentrée que comment on fait quand on a commis quelques petits péchés comme la fornication. At the beginning of the school year, who came and asked me, how do we manage when we have committed fornication? Son erreur. His error. C'est que ce n'est pas à moi qui devait demander ça. I was not the right person to whom he had to ask. S'il avait dit à un dirigeant, if he said that to a leader, ce dirigeant allait prophétiser sur lui. The leader would have prophesied on him. Chasser la folie, laver son cast cerveau. Out his craziness and wash his mind. Il allait être sauvé. He would have been saved. Un jour, j'entre dans sa chambre. Nous étions à l'université. One day, I entered his bedroom. We were at university. Il a écrit au plafond, vivez, mais vivez. He has written on the roof, live, but live. Je lui ai dit, mon ami, I told him, my friend, voilà, tu as commis la fornication. Tu n'as même pas eu la puissance pour te repentir. You even don't have the power to repent. Tu vas vivre quelle vie? Which life do you expect to live? Il me regarde, je dis c'est nous. Je lui dis c'est nous qui vivons, c'est nous. He watched me. I said, we are the ones who live. C'est nous. We are the ones. Un jeune homme. A young man. Qui résiste. Who resists. À l'épreuve de la tentation. To the trials of temptation. Il vit. He lives. C'est lui qui vit. He is the one who lives. Oui, acclamez, n'ayez pas peur. Yes, clap, do not fear. Ce n'est pas le moi. Ce n'est pas le moi, acclame. It's not the ego, clap. Tu ne commets aucun péché. You commit no sin. Tu célèbres seulement la victoire de Jésus. You just celebrate the victory of Jesus. Je lui ai dit, c'est nous qui vivons. Et c'est j'étais rempli. We are the one. De satisfaction, la vie de Christ est une bonne vie. I was filled with satisfaction because the life of Christ is a good and very well life. Vous voyez là où nous sommes. You see, look at where we are. Il y avait les arbres ici. There were trees here. Nous sommes entrés au nom de Jésus et puis nous vivons. And in the name of Jesus, and we are living. Alléluia. Amen. Tu es assis là, tu regardes comme mais tu vis. You are sitting and you are living. You are alive. Sans bière. Without beer. Nous sommes heureux. We are happy. Jésus Christ. Jesus Christ. Offrande d'acclamation. Merci, merci infiniment, Père, pour ta grâce que tu m'as accordée. Ta vie en moi me fait vivre. J'ai en moi ta vie, qui est la vraie vie. Ta vie m'a transformé. Ta vie m'a délivré de la puissance du péché de la mort. Seigneur, merci. Merci que ta lumière en moi me fait vivre ta vie. Je la protège. Je garde cette vie dans ton sang. En ta mort, la gloire, la résurrection pour moi. Que la gloire, la loi te revienne au Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je confesse que c'est nous qui vivons. Père, je confesse que c'est une vérité fondamentale. Nous pouvons chanter, danser, parce que nous sommes ivres de Dieu et non ivres d'alcool. Seigneur, tu nous avais dit au début de notre conversion que l'alcool est mauvais. Nous avons cru. Et aujourd'hui, tu nous as remplis. Et nous sommes heureux. Et nous vivons avec des consciences pures. Mais nous pouvons danser toute la nuit sans être ivres. C'est une vérité. Nous confessons que tu es la vie. Et que tu donnes la vraie vie. Alléluia à toi. Amen.